lorsque tu danses avec une partenaire, oui, du fait de la proximité, oui, est-ce qu'on peut tomber, oui, plus ou moins amoureux, oui. Ouais. Oui, on peut tomber. Ça t'est arrivé? Oui. Un éclair de guenille, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Anthony, quand tu t'es lancé dans la danse, à quelle critique as-tu dû faire face? La danse est pour les filles et les gays. Et les gens avaient donc des préjugés très horribles, ouais, complètement stupides. Et tu leur as montré que c'était faux. Que c'était totalement faux. Anthony, quand la danse ne te permettait pas de gagner ta vie, est-ce que tu as pensé un jour abandonner? Non. J'ai cru faire le trop jamais. Non, jamais. Je jamais. Savais que je voulais continuer et que ça marcherait. Ouais. Je savais pas quand, mais je savais que ça marcherait. Tu le sentais au fond de toi? Sûr et certain. Et pourtant, je crois que ça n'a pas été simple cette période. C'était chaud. Hein. C'était très dur. Petit boulot. Je dormais dans ma voiture parfois. J'avais pas de. Ouais. Tu faisais quoi quand tu rappelles-moi? Je me levais le matin à 4h, j'allais laver des toilettes dans des bureaux. Après, j'ai lavé les bureaux. Et ensuite, j'allais à l'école primaire. Je m'occupais de la cantine primaire, les enfants, tout ça. Après, j'allais m'entraîner pendant très longtemps. Et après, j'allais faire des pizzas le soir. Et après, je retournais m'entraîner. Et ça a duré combien de temps? 4 ans. Mmh. C'est bien, mec, c'est bien, t'as pas lâché. Ah oui, c'est long. Ah oui, c'était chaud. Est-ce que le niveau de danse LCS nous est-il plus fort que celui d'Iris Mittenard l'année dernière? Non. Il y a encore beaucoup de travail à faire? Il y a encore du travail, mais ça va le faire. Elle est motivée? Elle est très motivée et elle est très gentille, donc okay, tout se passe très bien. Ouais. T'as un chapitre dans ton bouquin qui s'appelle Savoir rebondir. Imaginons, danse avec les stars s'arrête. Tu rebondis comment? Moi, mon objectif après Danser avec les stars, ou pendant Danser avec les stars, j'aimerais devenir comédien parce que j'ai eu des propositions et j'espère que ça va marcher. Donc ce serait ça. J'avais deux rêves dans la vie. Mm-hmm. C'était danseur, qui est venu un peu plus tard, et comédien. Si ça marche, tant mieux, sinon je ferai autre chose. Si on te propose un rôle dans les mystères de l'amour hein. Dans les mystères de l'amour? Attention, te grille pas, mec, te grille non, pas. Non, non, pas grille du pas. Tout. C'est que pour le moment, même mystère de l'amour ou un autre truc, pour le moment, je veux me concentrer sur Danser avec les stars. Ouais. On verra après. Très bien. TF1, je pense. Est-ce qu'en dansant avec une partenaire, du fait de la proximité, on peut tomber plus facilement amoureux? Attends, répète, excuse-moi. Est-ce que lorsque tu danses avec une partenaire, du fait de la proximité, est-ce qu'on peut tomber plus ou moins amoureux? Oui. Ouais. Oui, on peut tomber. Ça t'est arrivé? Oui. Ça m'est arrivé. Avec Iris, j'ai vu des pushes ce matin. Ouais. Avec ma première partenaire Anaïs, avec qui je suis resté 4 ans, on était follement amoureux, c'était une histoire de film, vraiment, c'était une histoire de film. Ça s'est fini, on est restés très très bons amis, on travaille encore ensemble. Et oui, ça s'est passé aussi avec Iris. Ouais. Avec Iris, ouais. Je t'ai vu dans pas mal de magazines People, comment tu l'as vécu ça? Parce que ça doit pas être simple d'être suivi par des paparazzi et autres. Hein. Comment je m'en fous, moi. Tu t'en fiches, ouais, voilà. C'est ma vie, hein. Après, c'est un peu chiant, mais après, ça va. Hey, frère, t'as avec Iris Mittenard, là, t'en as rien à foutre. Moi, je suis pas suivi, j'aurais rien à te dire. Ouais. Je peux en poser une petite? Vas-y, moi, je vais terminer, mais on peut. Vas-y. J'y vais? Ok, moi, je travaillais sur l'émission avant, sur Danser avec les stars, et je sais qu'en off, beaucoup, il y a pas mal de danseurs et de stars qui se rapprochent. Est-ce que cette année, il y a déjà un petit couple qui s'est formé ou un truc? Cette année, non. Pas encore? Non. Non, non, mais même. Non mais ça dure, il y a 3 semaines très vite avant, ça va vite. Ça peut aller très très vite hein. Mais cette année non, j'ai rien vu de chelou ou rien entendu. Okay. Y a pas Hugo Philippe? Non. Parce que je crois que pas du tout. Non. Très peur. Ils sont follement amoureux les deux. Alors que bon. Non, ils sont follement amoureux. Anthony, est-ce qu'il y a un décalage entre la personnalité que tu es et l'image que tu dégages? Tu l'évoques dans ton bouquin. Ouais, un peu. Ouais. C'est-à-dire que l'image de Danser avec les stars, parce que c'est l'image que j'ai eue en premier, cette image, c'était il me faisait passer pour le petit jeune, beau gosse, tout lisse, tout genre. Mais alors qu'en fait, je suis comme tout le monde. J'aime bien rigoler, j'aime bien m'éclater, j'aime bien sortir, j'aime bien dire des conneries. Comme des gars de 24 ans. Ouais. Ouais, c'est tout. Donc oui, et je commence de plus en plus à le faire parce que maintenant je fais ce que je veux. Enfin, si tu avais un message à passer à Mamoun, Simone Colette, ta grand-mère, ce serait lequel? Je t'aime, Mamoun. Voilà, Anthony Colette est avec nous.